Diga ao seu vizinho, essa é a temporada da restauração. Já estou fazendo de gosto a sessão de restauração. Diga ao vizinho da esquerda, é a temporada da restauração. Diga ao vizinho da droite, a sessão de restauração. Diga ao vizinho do lado direito, é a temporada da restauração. Já estão fazendo de vão na sessão de restauração. Diga ao vizinho de frente, temporada de restauração. Se tinha você derrida, diminui a sessão de restauração. Tem também para trás, diga a temporada de restauração. Dito a tua mesmo na sessão de restauração. Diga a você mesmo, temporada de restauração. Dis à toi-même la saison de restauration. La temporada de restauration. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce matin. Bendigo a Deus por o culto da manhã de hoje. Et que nous avons remarqué, le Seigneur est descendu avant même qu'on ait prêché. Como notamos, o Senhor desceu antes que nos preguemos. Se Jesus é toujours avec nous chaque fois que nous nous rassemblons. Sempre está conosco quando nos reunimos. Parce qu'il a dit déjà dans sa parole, où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ele diz que sua palavra de dois ou três são reunidos no seu nome, ele está no meio deles. À chaque fois que tu viens dans la présence du Seigneur, tu dois attendre de vivre la manifestation de sa présence. Quando você vem na presença de Deus, tem que esperar a manifestação da sua presença. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois attendre de vivre la manifestation de sa présence. Quand vous venez dans la présence de Dieu, tu dois attendre de vivre la manifestation de sa présence. Et ce matin, le Seigneur avait choisi de manifester sa présence très tôt, lorsque nous étions même en train de prier. Et aujourd'hui, Dieu se manifeste plus cedo que quand nous orávamos à sa présence. Et cela renfermait un message. Isso tinha uma mensagem. Le premier message, c'est que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. A primeira mensagem que Deus não age da mesma maneira. Dis à ton voisin, Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Diga ao seu vizinho, Deus não age da mesma maneira. Rappelle-lui encore, Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Repita, Deus não age da mesma maneira. C'est pour cela qu'il faut toujours être sensible. Por isso tem que ficar sensível. Être sensible, c'est-à-dire avoir une attention aiguisée. Ter uma atenção afiada. Être sensible, c'est veiller à ce que rien ne puisse t'échapper. É vigiar para que nada te escape. Une personne sensible, rien ne l'échappe. Uma pessoa sensível, nada lhe escapa. Le moment où Dieu descend pour faire quelque chose, la personne est prête et reçoit sa parole. Quando Deus desce para fazer alguma coisa, a pessoa está pronta para receber. Aleluia. Amém. La restauration se définit comme la remise en fonction d'un système qui était en dysfonctionnement. A restauração se define como repor o funcionamento de alguma coisa que estava em desfuncionamento. Remettre en fonction tout ce qui était en dysfonction. Repor em função tudo que estava em desfuncionamento. Et lorsque Dieu vient ce matin dire à quelqu'un qui m'écoute ici, quand Deus veut para falar a alguém que está me ouvindo agora, que c'est la saison de restauration. Que é a temporada de restauração. C'est comme si il était en train de te dire qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient plus comme normalement. É como se estivesse a dizer que havia coisa que não andava normalmente. Tout à l'heure, je viens de te dire qu'il faut que tu sois sensible, n'est-ce pas? À pouco tempo eu dizia que você tem que estar sensível. Est-ce que je te dis cela? Eu já disse isso, te disse isso, será? Aclame o Senhor, se for aplaudir, se você ouviu isso, for aplaudir. Je disais dans la sensibilité, veille à ce que rien ne puisse t'échapper. Eu dizia na sensibilidade, você tem que vigiar para que nada te escape. Sois éveillé en toi-même. Fica vigiado de si mesmo. Je réponds, je disais qu'on définit la restauration. Define a restauração.
comme la remise en fonction d'un système qui ne fonctionnait plus ou qui était en dysfonctionnement. Como un acto de reporte en fonctionnement ou alguma coisa que estava em desfuncionamento. En un mot court, restaurer veut dire réparer. Uma breve definição, restaurar é consertar ou reparar. En un mot court, réparer veut dire redonner vie à ce qui était mort. Uma palavra curta, restaurar é dar vida a alguma coisa que estava morta. Restaurer veut dire renaître. Restaurar é renascer. Restaurer veut dire régénérer. É rejuvenescer. Régénérer veut dire renouveler. Rejuvenescer quer dizer renovar. Redonner un sens à ce qui n'avait plus de sens. Redar sentido naquilo que já não tinha mais sentido. Redonner du goût à ce qui n'avait plus de goût. Dar gosto naquilo que não tinha mais gosto. Remettre la parure à ce qui n'apparaissait plus beau. Pôr uma boa aparência naquilo que não aparecia mais bonito. Lorsqu'on parle de saison de la restauration, quando fala-se da temporada da restauração, on veut parler d'un temps où Dieu vient dans la vie de quelqu'un. Fala-se do momento em que Deus chega na vida de quelqu'un. Et il voit que ce domaine ne me plaît plus. Et bien, este domaine não me plaît plus. Ce niveau ne me plaît plus. Cette chose ne me plaît plus. Cette image ne me plaît plus. Cette position ne me plaît plus. Cette condition ne me plaît plus. Et Dieu commence à changer. Et Dieu commence à bénir. Et Dieu commence à élever. La saison de restauration veut dire tout simplement une saison où Dieu commence à bénir quelqu'un. Afin que son apparence commence à changer. Parce que son apparence commence à mudar. Je suis étonné que les gens ne sont pas sensibles. Estou espantado que as pessoas não são sensíveis. C'est comme si tu ne me suis pas. É como se você não me seguir, não me acompanhar. Je ne suis pas venu crier sur le micro, sinon je vais te poser pour que tu m'appelles. Eu não vim aqui para gritar no micro, senão vou deixar. Et si ce n'est pas à toi que je parle, tu peux me dire, je n'ai pas envie que je parle à soi. Si je parle à quelqu'un, il faut que la personne me parle aussi. Ça veut dire que si tu comprends que ce que je dis ici, c'est Dieu qui s'adresse à toi. Amen. Tu dois savoir comment attraper ça. Amen. Et tu dis que c'est pour moi, tu dis amen. Amen. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Si c'est ta parole, tu dois savoir recevoir ça. Amen. C'est ça aussi la sensibilité. Isso também é a sensibilidade. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alors diga glória ao Senhor. Quelqu'un me donne un bon amen, je continue. Quelqu'un me donne un bon amen, je continue. Amen. La saison de restauration veut dire il y a un temps pour la destruction, il y a un temps pour la restauration. La temporada de restauração significa há tempo para a destruição e há tempo para a reparação. La saison de restauration veut dire aussi il y a un temps pour le dysfonctionnement, il y a un temps pour que les choses refonctionnent normalement. La temporada da restauração significa há tempo para o desfunamento e outro para o funcionamento. Lorsqu'on parle de saison de restauration, on veut aussi dire qu'il y a un temps pour mourir, il y a un temps où Dieu va venir te ressusciter. Ou seja, há também tempo que você pode morrer e há tempo para Deus te ressuscitar. Si on veut parler aussi de saison de restauration, on veut dire qu'il y a un temps pour être gâté, pour être abîmé, pour être gaspillé. Il y a un autre temps, une autre période, une autre saison où Dieu va venir réparer toute chose qui est en dysfonctionnement et qui est gâtée. Isso significa há tempo para se estragar, para se destruir, mas haverá tempo que Deus virá para repor tudo. Enormes. C'est un temps de réparation. É o tempo de reparação. C'est un temps où Dieu fait entrer quelqu'un dans un hôpital spirituel. Deus vai fazer entrar uma pessoa num hospital espiritual. C'est un temps où Dieu te fait entrer dans un laboratoire spirituel. Você vai entrar num laboratório espiritual. C'est un temps où l'histoire de ta vie entre dans un atelier spécial. Onde a história da sua vida entra num atelier especial. C'est un temps où la vie peut connaître les dons de chaque pierre. Há um momento que a vida pode também você tirar o trato. La rue et le monde s'opposent à toi. Rua e mundo vai se opor a ti. Tout ce qui t'arrive dans la vie. Tudo que acontece na vida. É sinônimo de pierre qu'on te lance. É sinônimo de pedra que estão te atirando. É uma pessoa qu'on lance de pierre. Uma pessoa que está sendo apedrejada. Vai se retourar après avec des blessures. Vai se contar com feridas. E vai se retourar de gonflement. Vai se retourar com inflamação. E vai se retourar com les douleurs. Com dores. Maintenant, la date de restauration. O tempo da restauração. Mais il est temps où Dieu veut prendre cette personne blessée. Deus vai pegar essa pessoa que está ferida. Então Deus prend les blessés de la vie. A pessoa, Deus pega a ferida da pessoa. Então Dieu prend une histoire blessée. Pega uma história ferida. Então Dieu prend une vie blessée. Pega uma vida ferida. Então Dieu prend la vie de quelqu'un qui est rejeté. L'Éternel commence à enlever les blessures. L'Éternel commence à enlever les blessures. Dieu commence à enlever cela. Deus vai começar a sarar as feridas. De tal maneira, se quelqu'un sort de l'hôpital de Dieu.
quand você está no hospital de Deus, on les regarde. Você, après, on ne voit plus les blessures là où c'était. On ne voit plus les gonflements là où c'était. Parce que Dieu a restauré. Parce que Dieu a réparé. Parce que Dieu a touché. Je dis à nos à quelqu'un. Le Seigneur s'est levé. Il est en train de restaurer ta vie. Il a décidé de te restaurer. Ton histoire est restaurée. Ta vie est restaurée. Le temps est en train de changer. Au nom de Jésus. Il y a toujours un temps de réparation. Há sempre um tempo de reparação. Il y a toujours un jour de réparation. Há sempre um dia de reparação. Isaías chapitre 8, verset 23 déclare. Isaías 8, 23 déclare. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. As trevas não permanecerá para sempre. C'est comme si Dieu était en train de dire, mais l'humiliation de ta vie ne régnera pas toujours. Les souffrances de ta vie ne régneront pas toujours. Les difficultés de ta vie ne régneront pas toujours. La maladie de ta vie ne régnera pas toujours. Les problèmes de ta vie ne régneront pas toujours. Para sempre. Le temps de honte ne restera pas toujours. O tempo de vergonha não vai permanecer sempre. Amém. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vou falar alguém. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que eu falo alguém? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Alguém está me acompanhando ali. Donne-moi une amen, je continue. Diga amém, vou continuar. Qui est celui qui nous lance les pieds? Quem é a pessoa que está nos apedrejando? Qui est celui qui fait la destruction de nos vies? Quem é a pessoa que está fazendo a destruição das nossas vidas? La Bible dit les voleurs ne viennent que. A Bíblia diz que o gatuno, o ladrão vem para. Pour détruire. Para destruir. Pour voler. Para roubar. Et pour tuer. E para matar. Le but et la mission du destructeur. O propósito do destrutor. Celui qui va une vie vieille. A pessoa que torna uma vida velha. Celui qui fait vieillir la vie de quelqu'un. Faz envelhecer a vida de uma pessoa. Jésus l'a appelé le voleur. Eu chamo de ladrão. Il n'a rien en lui-même. Não tem nada nele. Satan n'a rien. Satanás não tem nada. Tout ce qui donne aux écritiens, tout ce qui donne aux francs-maçons, tout ce qui donne aux occultistes, ce sont des choses qu'il est allé voler. Il a volé chez quelqu'un. Jésus ne l'a pas appelé Satan. Jésus l'a appelé par la qualification. Jésus chamou la qualification. Jésus a qualifié le diable. Jésus qualificou par rapport à sa mission dans la vie de l'enfant de Dieu. Sua missão na vida de Dieu. Et lorsque tu vois Satan dans la vie de quelqu'un, você vê Satan na vida de alguém. Lorsque tu vois le péché dans la vie de quelqu'un, você vê pecado na vida de alguém. Lorsque tu vois l'erreur dans la vie de quelqu'un, você vê erro na vida de alguém. Lorsque tu vois une faute dans la vie de quelqu'un, você vê uma falta na vida de alguém. C'est le voleur qui est venu. É o ladrão que vem. Ele vem por voler quelque chose. Roubar alguma coisa. Ele vem por levar quelque chose. Para tirar alguma coisa. Dis merci Seigneur pour la restauration. Obrigado Senhor pela restauração. Comme cela j'aime la saison de restauration. Eu gosto da temporada da restauração. Parce que la restauration. Porque a restauração. C'est la saison où Dieu nous fait retrouver ce qu'on avait perdu hier. É o tempo que Deus nos faz achar. C'est quand Dieu ramène les choses perdues. C'est quand ça va sortir sa cabine de Boumaki. 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 Au nom de Jésus. É o tempo que Deus dá de volta as coisas perdidas. Le voleur ne vient que pour enlever. O ladrão só vem para tirar. Il enlève la paix. Elle tire la paix. Il enlève la joie. Tire l'alegria. Il enlève la sécurité. Tire la segurança. Quelqu'un acclame le Seigneur pour que je continue. Acclame le Seigneur pour que je continue. Oh, je vois toutes les acclamations. Est-ce que vous pouvez remettre des acclamations par vos côtés?
ça ne sera pas toujours le même dans ma vie. Je ne sens pas la conviction. Dis, ça ne sera pas toujours la même dans ma vie. Ça sera même dans la mienne vie. Assois-toi. Pose ta. La saison de restauration. Temporada de restauração. C'est la saison où les choses commencent à changer. É a temporada onde as coisas começam a mudar. Tu m'as envoyé dire à quelqu'un. Deus mandou me dizer a alguém. Bientôt les choses vont commencer à changer. Bientôt les choses vont commencer à changer dans ta vie. Bientôt les choses vont commencer à changer dans ta vie. Bientôt les choses vont commencer à changer dans ta vie. Bientôt les choses vont commencer à changer dans ta vie. Je suis un envoyé de Dieu. Il m'a envoyé te dire. Bientôt les choses vont commencer à changer. Cette histoire va changer. Cette situation va changer. L'état va passer. Parce qu'on est aussi là. Les bonnes choses vont revenir dans ta vie. Boas coisas vão voltar na sua vida. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. As trevas não vão permanecer para sempre. Apocalipse chapitre 12 10 dit. Apocalipse 10 disse. Et je l'ai vu tomber. Eu vi eles a cair. L'accusateur de nos frères. Acusador de nossos irmãos. Lui qui les accuse nuit et jour. Ele que acusa dia e noite. Il y a un ennemi de ta vie. Há inimigo da sua vida. Il y a un adversaire de ton bonheur. Há adversário da sua felicidade. Quelqu'un qui est mal à l'aise par ta réussite. Alguém que não está à vontade no seu êxito. Jésus a dit qu'il l'appelait Satan. Jesus chamou Satanás. Il a appelé seulement voleur. Ele chamou ladrão da tudo. Mais lorsqu'on parle de la saison de restauration. Quand on parle de la temporada de restauration. On peut aussi dire que c'est une saison, l'ennemi ne va plus voler ta chose. Satan ne volera plus ce que Dieu t'a donné. Ta bénédiction ne sera plus volée. Ton élévation ne sera plus volée. Mon bonheur qu'on vous prend du sous-souté. Voyage, tu veux tomber dans les sous-souté. Tu vas aller tomber dans les sous-souté. Tu veux tomber pour faire du sous-souté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton casamento não vai morrer. As coisas não vão se dissoudre. C'est un temps où tu commences à garder les choses que Dieu te donne. Et au tempo, você vai começar a guardar as coisas que Deus te deu. Avant, tu n'arrivais pas à garder l'argent. Antes, não conseguia guardar dinheiro. Dès que tu as un peu d'argent comme ça, le problème arrive de sa part. Quand vous avez beaucoup de dinheiro, chega os problemas e tudo se desperdice. Lorsque tu commences une relation, ça ne met pas alors ça s'éteint en cours de route. Quand vous commencez par un relationnement, tu ne vas aller, va se interromper ton camino. Pour une raison ou une autre, tu n'as pas pu rester en mariage, tu as divorcé. Por uma ou outra razão, não conseguiste ficar no seu lar, divorciaste. Pour une raison ou une autre, tu n'as pas pu finir tes études. Por uma ou outra razão, não acabaste os estudos. Tu n'as pas pu avoir tes diplômes. Não conseguiste ter certificado ou diploma. Por uma razão ou outra, tu não pas pu avoir une carrière professionnelle. Por uma outra razão, não conseguiste ter uma carreira profissional. Tu as été très intelligent à l'école. Mas muito inteligente na escola. Et tu as bien commencé le travail. Começaste a trabalhar. Mais après un temps donné. Depois de um tempo dado. La sorcellerie est entrée. A bruxaria entrou. La jalousie est entrée. A inveja entrou. L'opposition est entrée. A oposição entrou. Et tu n'as pas pu supporter. E não conseguiste, não aguentaste. Tu es au retour obligé de fuir. Fugiste. Pour sauver ta vie. Para salvar sua et vida. Et là où tu es parti. Onde tu foste. Tu as pris ton travail. Você não tem trabalho. Tu n'as plus de travail. Você não tem trabalho. Tu es au chômage. Você está desempregado. Lorsque tu es au pays. Quando estava no país. Tu marchais librement. Você andava livre. Mais aujourd'hui tu viens bien à l'église. Agora você vem à igreja. Parce que tu es sans papier. Porque você não tem documento. Tu es bien quand tu refoules. Você tem mesmo. Tu es de ton clandestin. Você é clandestin. Une vie qui s'épanouissait. Uma vida que estava sem trabalho. Uma bien vue. Mais aujourd'hui. Mas agora. Tu n'as plus de papier. Tu n'as plus l'argent. Tu n'es plus marié. Você tu n'as plus d'enfants. La mort a pris tes enfants. Tu es resté sans enfant. Ah, mais Jésus venait dire à quelqu'un. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un. Il y a une année de remplacement. Dieu t'a remplacé. Havia um tempo que ela perdeu Abel. E aí então Eva havia perdido Abel. Há um tempo que a Eva perdeu Abel. E pendant um tempo ela estava nas lágrimas. Ela.
Pendant un temps, Abel était mort, enterré, n'existait plus. Ao tempo, Abel morreu, não existia mais. Eve n'avait plus d'enfant. Eva não tinha mais filho. Il n'avait plus de joie. Já não tinha mais alegria. Lorsque le voleur te vole, le possible que tu manques la joie. Quando o ladrão te rouba, propose que para você faltar a alegria. Lorsque le diable vole quelque chose sur toi, il est possible que tu manques le bonheur. Quando o diabo rouba alguma coisa de ti, você vai perder a felicidade. Il est possible que tu te retrouves bloqué, incapable d'avancer. Parce qu'on t'a bloqueado, incapaz de avançar. Si Abel était le pied de Eve. Se Abel foi o pé de Adão e Eva. Parce qu'il n'était plus. Porque não existia mais. Parce que Caïn l'avait tué. Porque Caïn lhe matou. Eve s'est retrouvée un jour bloquée. A Eva encontrou-se bloqueada. Peut-être le diable t'a volé quelque chose. Talvez o diabo roubou-te alguma coisa. Mais tu te retrouves bloqué quelque part. Você se encontra bloqueado algum. Je ne sais pas si y a quelqu'un qui est bloqué à Turquie. Je ne sais pas si quelqu'un est bloqué dans son mariage. Je ne sais pas si quelqu'un est bloqué dans sa santé. Mais le Seigneur m'a dit, il existe un secte. Le fils du remplacement. Dieu va remplacer. Il vous remplacera. Les années qu'on dévore son terrain. L'Éternel est sur le point de remplacer ce que le Seigneur a réduit. Je croyais prêcher à quelqu'un. Je sais qu'il entend prêcher à quelqu'un. Dieu va situer le temps pour que les gafagnons nous reparent. Tu as été bloqué quelque part. Tava bloqueado alguns. On t'a enlevé ce qui te faisait avancer. Tiraram aquilo que te fazia avançar. Quelqu'un dit, ce qui ne te tue pas te renforce. Alguém diz que não te mata, te fortalece. Amém. Ce qui ne te tue pas te renforce. O que não te mata, te fortalece. Il ne faut pas pleurer de tout ce qui t'arrive. Non, pour cela, et tout ce qui acontece. Et il ne faut pas se plaindre de tout ce qui t'arrive. Non, pour se queixar de tout ce qui acontece dans sa vie. La parole de Dieu déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et les Français disent à quelque chose le malheur est bon. Os portugueses dizem, alguns também a infelicidade é boa. Le livre de Lamentações, chapitre 3, declara ceci. Lamentações 3 diz: il est mieux pour un homme de souffrir dans la jeunesse, afin de régner dans la vieillesse. É bom para um homem de sofrer na juventude, para reinar na velhice. On ne doit pas se plaindre de temps de sa souffrance. Não pode se queixar do tempo de sofrimento. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. A palavra de Deus diz: qui sont ceux qui ont connu cette maison dans sa première gloire? Quem são as pessoas que conheceram essa casa dans sa première gloire? La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. A Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. O que foi, o que virá pode ser melhor daquilo que foi. Les gens se plaignent lorsque ça ne va pas. A pessoa se queixa quando nada não vai bem. Les gens sont tristes lorsque traversent des difficultés. A pessoa são tristes quando passa dificuldades. Celui qui n'a pas connu la pauvreté ne peut pas célébrer la richesse. A pessoa que não conhece a pobreza não pode celebrar a riqueza. Celui qui n'a pas souffert dans le célibat ne peut pas gérer bien le mariage. Quem não sofreu no solteirismo não pode gérer bem o casamento. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la santé est de mon corps? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que là-bas quelqu'un comprend? Est-ce que là-bas quelqu'un m'entend? La parole de Dieu dit. A palavra de Deus disse. Lorsque Anna a accouché. Quando a Ana nasceu. Écoute sa prière. Opa, a sua oração. Il faut pas se moquer des femmes stériles. Não pode se zombar da mulher que não tem filho. Parce que les enfants de celles qui avaient accouché n'ont pas de référence. Mais la stérile n'a accouché cette femme. Elle aura la maternité. Et ses enfants seront les enfants de toi. Les gens qui ont été avant toi, ils n'ont pas fini la bénédiction de l'Éternel. Ne sois pas jaloux de ce qui résiste aujourd'hui. Ne sois pas jaloux de celui qui a acheté sa voiture maintenant. Toi tu marches à pied. Il a la voiture. Mais la marque de ta voiture que tu auras demain, tu ne connais pas. Apprécie ceux qui se marient maintenant.
Tem que apreciar tudo que está em casa agora. L'amour évolue. Amor a evolui. La collection de voix de cette année. A coleção de vœux deste ano. Ça sera pas la même collection l'année prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? La robe de mariage a donné les lots. Il y a quelqu'un qu'on veut ou non. Parce que l'amour évolue. L'amour a évolué. L'option que Dieu nous a libéré. On sent que Dieu nous a libéré. À l'époque, on est allé au Congo. C'est pas la même chose que nous libérons maintenant. Non, mais bon, on sent Dieu. À l'époque, il n'y avait pas d'iPhone. À l'époque, on n'avait pas d'iPhone. Il y avait personne pour filmer comme les frères qui filment. Il n'y a rien pour filmer comme les autres filmer. Mais l'option de cet âge est différente. Ensemble, je t'ai pas différent. Mais ne sois pas jaloux de ceux qui réussissent maintenant. À ta saison, tu vas t'élever. Il y aura la différence. L'année passée est différente l'année prochaine. Toi qui es l'année prochaine. Toi qui es la suivante. Oui, il y a une cause de la différence. Oui, il y a une cause de la différence. L'année passée est différente de l'année prochaine. Assez différent du prochain mois. 2019 est supérieur à 2018. 2019 est supérieur à 2018. Ça veut dire que le mariage de 2019 peut être supérieur en qualité à cause de l'évolution de la mode du mariage de 2018. Ça ne peut être supérieur de qualité en relation à la mode de 2018. Je t'annonce que d'autres personnes vont répondre les mariages à cause de ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont aller chercher dans ton voiture. Ils vont changer de voiture à cause de toi. Les gens vont arrêter de prendre le ministère. Quelqu'un va regarder ton album photo de mariage. Alguém vai ver o álbum de casamento. Ele chega, tu vai comprar depois do teu mariage. É o querido, vamos começar nos casamentos. Tu sabe por quê? Tudo isso por quê? Tá ali com cinco fotos de 1993. Quando vi a foto de 1993. Até ali com mamãe, foto de 2019, mariage. Vi a foto de 2019. Montei para tu que, do que? Coração, que trouxe. Le cœur est devenu mal à l'aise. Il dit, chérie, je vais te faire les quatre, les quadriplés. Oh, vous faites quatre vezes. Je vais t'appeler une grossesse de cinq enfants. Vous êtes cinq filles. On doit répondre le mariage. Oh, ah, chérie. Oh, querido. Regarde tes barbes. Oh, ah, chérie. Querido. Est-ce qu'on peut faire quoi de quoi de mariage? Regarde ton ventre comme ça. Chérie, je vais qu'on réponde le mariage. Ok, commencez-vous ta vie. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? Qu'est-ce qui va faire ici? C'est le fait d'avoir constaté que non. Le fait de noter que les Mercedes descendent de 1998. Mercedes 200 de 1990. Ça peut se cacher devant les Mercedes d'aujourd'hui. Après, si je connais, même parce que ce sont les Mercedes automatiques. Tu mets le doigt, ça s'ouvre automatiquement. Le porteur sur le sel. Tu rentres, ça te conduit. Tu n'as pas besoin de volant. Tu n'as pas besoin de volant, ça te conduit seul. Vas-y, conduisis, sozinho. Carro à te conduire. Mais c'est qu'il y avait le Mercedes à l'époque. Quand tu marchais dans les pieds. Lorsqu'il passait, il te saluait. Te saudava quand tu passava. Os outros não me maiou, os outros não. Vamos de volta, vou dar boleia, vou dar boleia. Isso é porque de tu. Se zombava de ti. Mas hoje, quando ele está tentando demarrar, isso é Mercedes. Hoje, quando está a arrancar aquela Mercedes 200. E que tu te solta um SML. Você tem o meu Ferrari. E que tu lhe diz, meu filho, demais, vida, eu vou marchar sempre. Você fala, a frente. Não, 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 eu sou em panne, eu não vou sortir. Mas você vai tomar em panne. Je ne vais pas sortir. Mas ele é honte de apresentar ce qu'il a maintenant. Tem vergonha de apresentar aquilo que ele tem hoje. Et Dieu a dit la gloire. Dieu dit sa gloire. De la deuxième maison. La seconde casa. Sera plus grande. Sera maior que la primeira. Ce qui vient après est toujours supérieur à ce qui était venu. La saison de restauration. C'est une saison où Dieu se souvient de ce qui était rejeté. De ce qui était dans le laboratoire. De ce qui était dans les chambres froides. De ce qui était méprisé. De ce qui était humilié. C'est le temps où Dieu vient sortir quelqu'un de la honte pour le mettre dans les estrades. C'est le temps où Dieu vient suivre les larmes. C'est le temps où Dieu vient enlever la honte sur la vie de quelqu'un. La vida de uma pessoa, Deus quer enxugar as suas lágrimas. Dito a tua mesmo, ça ne sera pas toujours. Diga, não será sempre assim. Dieu
Dis avec moi, ça ne sera pas toujours comme ça. Non, sera simple ainsi. Dis, ça ne sera pas toujours comme ça. Non, sera simple ainsi. C'est un temps où Dieu s'élève. Et au temps que Dieu va se levantar. Il dit maintenant c'est fini. Dis agora acabou. Les ténèbres ne régneront pas toujours. As trevas não vão permanecer para sempre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. As trevas não vão permanecer para sempre. Ça veut dire un jour Jésus entre au temple. Ça veut dire un dia Jesus entrou no templo. Il a trouvé une femme qui avait 80 ans. Achou uma mulher que tinha 80 anos. Il a dit à la femme, viens devant. Disse à la mulher, vem aqui frente. La Bible dit que la femme était courbée. Ela diz, a mulher estava curvada. Parce qu'elle avait une bosse. Porque tinha uma inflamação nas costas. Et la Bible dit que cette bosse avait commencé, il y avait 18 ans passé. Aquela inflamação começou havia 18 anos. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ça a duré que ça ne va pas guérir. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas curer, non. Est-ce que je peux répondre en français? Je peux répondre en portugais. Ce n'est pas parce que ça a duré que ça ne va pas changer. Non, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas mudar, non. Je viens de te dire comme ça n'a pas cité. Non, non, c'est habitué avec le souffrement. Ne t'habitue pas à ta souffrance. Non, s'habitue à son souffrement. Ce n'est pas parce que ça a duré que ça ne va pas changer. Qui demeure qui ne va pas mudar, non. Israël a fait 430 ans dans l'esclavage. Mais un jour, l'Éternel s'est souvenu d'Israël. Un jour, Dieu a brisé les chaînes. Un jour, Dieu les a libérés. Un jour, ils ont retrouvé la liberté. Après 430 ans. Israël fait 430 ans d'esclavature, mais un jour, ils sortent. Ce n'est pas parce que ça a duré que. Non, un jour, qui demeure qui n'a pas solution. Une année c'était toujours là. Un an, t'avais là. Deux ans, trois ans. Deux, trois. Cinq ans, dix ans. Cinq ou dix ans. C'était toujours là. T'avais sempre aí. Elle marchait comme ça. Andava curvada. Elle avait envie peut-être de prendre quelque chose en haut. Tinha vontade de pegar alguma coisa em cima. Mas parce qu'on disait que sa posição était courbée. Elle tem uma posição curvada. Comment une personne courbée peut prendre quelque chose? Comment une personne qui está curvada pode pegar uma coisa em cima? Ça veut dire que pendant un temps. Durante um tempo. Il a pressé les choses qu'il ne pouvait pas toucher. Elle a pressé les choses qu'il ne pouvait pas toucher. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Il y a un temps où les rêves se réalisent. Ah, c'est une histoire, c'est il y a un temps où Dieu exauce les vœux de nos cœurs. Il y a un temps où les prières sont exaucées. Le temps des restaurations, venu le temps où Dieu va exaucer tes prières. Où Dieu va répondre à tes demandes. Où Dieu va se souvenir de toi. Au temps où Dieu va répondre à ses orations, Dieu va répondre à ses pédiles. Maintenant, tu vas commencer à toucher les choses que tu apprécies. Você vai começar a tocar as coisas que você aprecia. Maintenant, tu vis ton rêve. Tempo que você está vivendo seu sonho. Cette position l'avait privé de beaucoup de choses. Esta posição privou de muitas coisas. Je ne sais pas qu'est-ce que ta position actuelle te prive. Não sei qual é a sua posição. O que que a sua posição te priva? De quoi es-tu privé aujourd'hui? De que você está privado hoje? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? O que é que acontece na sua vida agora? À cause de tes difficultés. Por causa da sua dificuldade. À cause de tes problèmes. Por causa dos seus problemas. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? O que é que acontece na sua vida? Tu es courbé dans quel domaine? Você está curvado. Tu es bloqué dans quel domaine? Bloqueado em que domínio? Le Seigneur a vu cet homme. O Senhor viu este homem. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Que alguém diga glória ao Senhor. Acclame très fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. La Bible dit que Jésus lui a dit viens. Jésus dit venha. Et mets-toi au milieu de la foule. Et coloca-se no meio da multidão. Il lui a dit sois guéri de ton mal. Et diga seja curado de seu mal. La Bible dit il a touché. Et lui a dit sois guéri de ton mal. Seja curado de sua enfermidade. La Bible dit dans Marc chapitre 1. Et Marcos 1. Et la bosse a quitté. Et também a inflamação saiu. Ce qui le rendait courbé a quitté son corps. O que lhe curvava saiu do seu corpo. Ce qui est étonnant, o que é espantável, c'est que les gens n'ont pas apprécié que ça soit arrivé comme ça. O que é grave, as pessoas não gostaram que seja assim. Les gens n'étaient pas contents que ça soit changé. Não estava contente que aquilo fosse mudado. Les gens ne se sont pas réjouis de ce que sa situation ait changé. Não se gozaram porque a situação mudou. Ils ont commencé à dire à la femme. Começaram a dizer à la mulher.
il y a 6 jours pour le travail. Há 6 dias para o trabalho. Se relevar na tua vida. Se nada vai na sua vida. Tu peux venir parmi les 6 jours là. Pode vir nesses 6 dias. Um jour é venir te faire guérir. Um dia veio te curar. Mas por que tu viens seulement le jour de sabbat? Por que que vem só no sábado? Je dis cette phrase là pour rapidement dire quelque chose. Eu disse esta frase para falar alguma coisa. Sois sûr pendant que tu marches sur la terre. Seja, tenha certeza quando você está andando na terra. En bon français, on dira, tu ne feras jamais l'unanimité. É bom porque diz, você nunca vai fazer unanimidade. Aussi longtemps ça nous guide, mais tu n'y as pas aussi pela naïveté. Quando viver, nunca vai fazer unanimidade. Il y a des gens qui se rendent tout le temps malades parce que les gens ne les apprécient pas. As pessoas vão ficar doentes porque as pessoas não estão lhe apreciando. On va nana, comment on va tout soit aussi pela naïveté. Tellement comme ils sont malades, pour unanimité. Vive na mesma casa com a pessoa que não te gosta, aquilo te note doente. Por quê? Cette femme avait 80 ans. Esta mulher tinha 80 anos. E ela était courbée. Estava curvada. Le jour la liberté de sa couverture. O dia que libertaram a sua. La Bible dit que les gens n'ont pas apprécié cela. As pessoas não gostaram daquilo. Quand je pose cette question, Olina Kanini. Agora vou fazer uma pergunta: o que é que vocês querem? Je suis venu dire à quelqu'un: bat-toi pour être meilleur. N'attends rien de personne. Bat-toi pour te marier. N'attends rien de personne. Bat-toi pour être un homme. N'attends rien de personne. Tem que se bater, tem que lutar na vida para tornar o nome, não espera nada de ninguém. Un aïe mon copo soit na vie. Luta sempre. Conselha toujours à son aïeuté. Eu sou caramba, vou conselhar essa lisa aí. Ele matará quelque chose, eu vou. Faz alguma coisa sozinho, não espera nada de ninguém. Tout le monde aurait pitié d'une vieille femme qui souffre. Toda mulher teria piedade de uma velha que estava sofrendo. Une personne 18 ans malade. Uma pessoa que vai. Tout le monde devrait avoir pitié d'elle. Alguém tem que estar, tem que se sentir assim. Mais ce message, je vais dire tout simplement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si tu n'étais pas pas pour ta réussite, pour ton soumission, on en a tiré mon cœur. Se você não lutar por seu êxito, ninguém vai te ajudar neste mundo. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, pode acclamer a Deus. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Si tu n'étais pas passé pour réussir dans la vie. Se não luta sozinho para você ter êxito na vida. Ce que tu attends des autres, peut-être ça n'arrivera jamais. Se você está esperando dos outros, nunca vai chegar. O Senhor diz, femme, sois guérie de ton mal. Mulher, fica curada da sua enfermidade. Depois que ela venait à l'église, personne ne faisait rien pour elle. Que vinha na igreja, ninguém fazia nada para ela. C'est le jour où Jésus veut dans sa vie que ses mal a quitté. É no dia que Jesus veio na sua vida que a enfermidade saiu. La Bible dit que la lumière est apparue, les ténèbres ont disparu. A Bíblia diz que a luz apareceu e as trevas se esconderam. C'est Jésus qui a la capacité de changer l'histoire de vie de quelqu'un. C'est lui que Jésus qui veut relever les pauvres. C'est lui que Jésus qui veut restaurer une famille. C'est lui que Jésus qui veut restaurer un foyer. C'est lui que la présence de l'homme de Galilée qui peut amener ce qui n'était plus. C'est lui que lorsque Jésus entre en scène dans ta vie, qu'une nouvelle histoire peut commencer. É somente Jesus quando chega na vida de uma pessoa pode restaurar a sua vida e uma nova história pode começar na sua vida. Avoir Jesus, c'est avoir la restauration. Ter Jesus é ter a restauração. Cette femme est restée longtemps dans la maladie. Esta mulher demorou na doença. Era a pessoa que veio changer cela. Ninguém veio mudar isso. Ce n'était que Jésus. Era somente Jesus. Je t'annonce que il y a quelqu'un qui peut changer cette situation. Ah, alguém que vai mudar a sua situação. Il y a quelqu'un qui va changer cette histoire. Son nom c'est Jésus. Je te présente Jésus. Tes problèmes ont la guérison. C'est Jésus qui guérit tes problèmes. Le nom de ton médicament c'est Jésus. Le médicament qui va guérir ta maladie de la pauvreté s'appelle Jésus. O nome da solução do seu problema é Jesus. O nome do remédio da sua doença é Jesus. Mas será onde eu vou chegar hoje? Onde eu vou terminar hoje? 1 Coríntios chapitre 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, lisam isso. 1 Coríntios 15, vamos ler. 1 Coríntios chapitre 15. 1 Coríntios capítulo 15. Verset 35. 35. Uau! Est-ce qu'on peut se mettre debout nous tous pour lire ça s'il vous plaît? Podemos colocar de pé nós todos. Notre seule lecture. A única leitura de hoje é da 1 Coríntios 15. 1 Coríntios chapitre 15. 15:35. Todo mundo de pé, por favor. Colossenses capítulo 15,
verset 35. Verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Comment les morts peuvent ressusciter? C'est impossible. Comment que cette situation ne peut pas changer. C'est comme ça que c'est cette famille. Et ainsi, et cette famille a toujours été comme ça. Sa famille, comment cette famille peut changer? Comment que sa famille a peur du monde? Et avec quel corps revient-il? Là, c'est Francis. Merci. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie. S'il ne meurt. S'il ne meurt pas, oui, allons-y. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui les trappe. C'est un corps simple. C'est un simple grain de blé, peut-être. Ou de quelque autre semence. Ensuite, mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Acclamons le Seigneur. Essayons-nous rapidement. J'ai clôturé dans 2 minutes. Vous terminez avec 2 minutes. Voici la raison pour laquelle j'ai prêché ce matin. C'est la raison pour laquelle vous prêchez aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé pour être seulement l'interprète de ses paroles. Le Seigneur me vient passer interpréter sa parole. L'apôtre Paul est en train de parler du mystère de la résurrection. Apôtre Paul parlait du mystère de la résurrection. Et il était en face des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il était en face des gens qui les gens qui doutent que la restauration est possible. Les gens qui disent qu'on ne peut pas être renouvelé après avoir été gâté. Quelqu'un ne peut pas sortir de la malédiction. Quelqu'un ne peut pas sortir de l'échec. Quelqu'un ne peut pas sortir des difficultés. Un célibataire qui est âgé ne peut pas se marier. Une stérile âgée ne peut pas faire des enfants. Une femme qui a dépassé la ménopause ne peut pas accoucher. Comment est-ce que les morts peuvent reprendre des filles? Et le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Paul. On s'amaillait l'été. C'est ce qui est insensé. Celui qui ne croit pas à la restauration, c'est insensé. Et qui explique les choses. Deus explica as coisas. E mesmo Deus os abençoe de lá. Vocês todos são semeadores, são lavadores. Só que colona masamu. Quem vai semear trigo? Só que aloni masamu. É somente grão de milho que vai sair. Quem já semeou um grão de maíz? Quem já semeou grão de milho? Esse é o mesmo grão que te até. É o mesmo grão que você. Esse é o mesmo grão que puxa. É o mesmo que sai. N'est-ce pas que c'est une autre chose? Quando você semeia uma coisa. Esse que sort, c'est une autre chose. C'est la même chose avec la résurrection. Ce qui est semé, c'est pas la même chose qui sort. C'est une autre chose qui est semé. C'est une autre chose qui sort. Qui sait. Et le Seigneur dit c'est la même chose avec la restauration. La vie d'aujourd'hui, ça ne sera pas ta vie de demain. La vie de demain, c'est la vie. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? Oh, ça, les lots, il y a mon dos à la lobe. Oh, ma toi, mon lobe, il y a mon dos à mon lobe. Mais il y a qui vont faire la main. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'on meurt. Quand vous êtes mort. On meurt. Le corps corruptible. Vous êtes mort d'un corps corruptible. On met le corps corruptible. Vous êtes mort d'un corps corruptible. Un corps qui est la poussière. Que peau aussi ça. Et la poussière revient à la terre. Le corps volte à la mais le jour de la résurrection, lorsque le Seigneur va nous ressusciter, nous allons revêtir le corps céleste. Le corps qui ne peut pas être détruit. Le corps nouveau. C'est la nouveauté qui commence. Je vais te dire à quelqu'un, les nouvelles choses arrivent dans ta vie, parce que tu es tes restaurants. Est-ce que le corps retrouve ton humanaïon? Est-ce que je peux retrouver ta foi? Lorsque tu es en contact avec la puissance de la résurrection, ça met la différence. Ce que tu étais hier, c'est une autre chose. Et ce que tu devais demain, c'est une autre chose. Ce que tu étais hier, c'est ton passé. Et ce que tu devais demain, c'est ton futur. Que você vai se tornar amanhã em seu futuro. Lorsque tu es dans la saison de restauration. Você está na temporada de restauração. Lorsque tu es dans la saison de restauration. Você está na temporada de restauração. Tu deves reconhecer. Você é inconhecível. On ne te reconnaît plus. A pessoa não pode que você é desconhecido. Ce n'est plus la même personne que tu es. Ce n'est plus la même aspect que tu as. Ce n'est plus la même image que tu as. Ce n'est plus la même
façon que tu as. Ce n'est plus la même démarche que tu as. Ce n'est plus le même langage que tu as. Celui qui est ressuscité est différent de celui qui est mort. Mouton confie à sa différence à ce qui. A ça qui mon rêve est différent à ça qui ressuscite. Ce que tu sais. Vous pensez que c'est meilleur. C'est une autre chose. C'est autre chose. Mais ce qui pousse de la terre. Va crescer la terre. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Après la restauration, on n'est plus la même personne. Après la restauration, on n'a plus la même vie. Après la restauration, on n'a plus la même position. Après la restauration, on n'a plus la même condition. Après la restauration, on ne sera plus pauvre. Après la restauration, on ne sera plus misérable. Après la restauration, on ne sera plus malade. On sera doué, depuis la restauration, vie d'un monde. On t'appellera maladif, ancien maladif. Donc, tu m'as antigo bendio. Parce que tu as été restauré. Lo que fosse restaurado. La restauration amène une nouvelle histoire. A restauração traga uma nova história. La restauration amène une nouvelle condition. A restauração traga uma nova condição de vida. La restauration change. A restauração muda. Des milliers de fréquentations. Meios de fréquentations. Lorsque tu n'es pas encore restauré, tu vis avec n'importe qui. Quand você não está de restaurar, tu marches avec n'importe qui. Tu côtoies n'importe qui. Tu parles n'importe comment. Tu marches n'importe comment. Mais le jour que tu es restauré, même les restaurants que tu n'allais pas, tu commences à aller parce que Dieu t'a restauré. Une vie restaurée n'est jamais la même. Quando você não está restaurado, você fala com qualquer pessoa. Mas quando você vai ser restaurado, a sua vida vai mudar. La restauração amène une nouvelle conexão de gens. A restauração traz uma nova conexão de pessoas. Les gens que tu ne fréquentes pas, tu commences à les fréquenter à cause de la restauração. A chaque que você não frequentar, vai começar a frequentar por causa. Les choses que tu n'avais pas, tu commences à voir ça parce que ta vie est restaurée. Coisa que você não tinha, vai começar a ter por causa. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, tu commences à les faire à cause de la restauração. Coisa que você não conseguia fazer, vai fazer por causa da restauração. J'annonce une saison de restauration. Nous ferons une nouvelle temporada de restauration. Ça ne va pas rester toujours à vie. Nous allons ficar sempre mesmo. Ça ne va pas demeurer comme ça. Nous allons permanecer ainsi. Ça ne va pas rester pas toujours. Nous allons permanecer para ça ne restera pas toujours comme ça. Tu ne seras pas toujours dans cette position. Tu ne seras pas toujours à ce niveau-là. Tu ne seras pas toujours en bas. Par au bois que la caoca bilan que ma belle été. Et ça nous confond la messe à voler notre minute. Você não vai ficar mesmo a pessoa, não vai ficar sempre, não vai estar sempre embaixo. Não vai começar a pedir sempre, mas vai sentar com grandes pessoas. O fato de ser que chante de família. É isso que eu queria dizer. C'est que c'est que tu es aujourd'hui. O que você é hoje. C'est un temps que Dieu a laissé que l'ennemi te touche. Yes. Você é porque Deus deixou para o inimigo te tocar. C'est une saison de preuve. É uma temporada de provas. Tu rencontres des personnes que tu n'aimes pas rencontrer. Você encontra pessoas que você não gostaria de encontrar. Permet une saison dans la vie de quelqu'un. Há uma temporada na vida de alguém. Où ton histoire ne dépend pas du lit où tu es couché. Onde a tua história não depende da cama na qual você dorme. Ça ne dépend pas de la maison où tu habites. Não depende da casa onde você habita. Mais ça dépend de toi qui es couché sur le lit là. Vai depender de você que dormiu nesta cama. Mais je suis venu dire quelqu'un une phrase rapidement. Eu vim dizer alguém uma frase rapidamente. C'est toi qui donne la valeur aux vêtements que tu portes. Você que dá valor na roupa que você. C'est toi qui donne la valeur à la maison que tu habites. C'est toi qui donne le respect au lit sur lequel tu es couché. Parce que ta vie va changer, mais le lit va rester le même. Ta vie va changer, les vêtements vont rester les mêmes. Ton histoire va changer et tu vas changer de maison. Mais cette maison restera toujours la position là. C'est toi qui fais la valeur des choses que tu portes. Você que faz o valor das coisas que você carrega ou você veste. Je suis très très surpris ce matin. Eu sou muito surpreendido hoje. Je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à capter ce mystère là. Você não consegue captar esse mistério. Je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à saisir ce que je dis. Você não consegue tocar aquilo que eu estou a falar agora. C'est toi qui fais la valeur de la maison où tu habites. Você faz o valor da casa onde você habita. Parce que lorsque tu entres dans la maison, elle est vide. Quando você entra. Si demain on va venir trouver la télévision au mur. C'est toi qui as pensé à la télévision pour que ça entre là-bas. Se alguém encontrar uma tela no aparelho, le jour tu vas sortir, la télévision va sortir. Dia você vai sair, a tela também vai sair. La même chose c'est la vie que je porte. Mesma coisa com roupa que eu vesto. C'est moi qui vais décider de fermer ça comme eu ça. Posso decidir de fermer. Et ça pourrait être notre aspect. Pega outro aspecto. Les vêtements ne peuvent pas me faire. Roupa mais c'est moi qui fais le
vêtements. La personne qui n'a pas de kilo. La personne qui a un kilo. La personne qui a un kilo. C'est moi qui valorise les lieux que j'habite. Qui valorise le temps de vivre. Ta vie a plus de la valeur que les choses que Dieu te donne. Ta vie a tellement de valeur que la chose que vous êtes. Ta vie a plus de la valeur que la bénédiction de l'Éternel. Ta vie a plus de la valeur que les choses que tu cherches. Ta vie a plus de valeur que le mariage. Ta vie a plus de valeur que le voyage. Ta vie a plus de valeur que le succès. Ta vie a plus de valeur. C'est que Dieu va faire avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie a plus de valeur que ce que tu demandes à Dieu. À toi, vie, la demande à qui vous à Dieu. La bénédiction, pas la bénédiction, tu es important de Dieu. A bênção não tem valor perante Deus. Você é importante aux yeux de Dieu. Você le mariage ou pas le mariage, toi tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Casamento comum não tem valor aos homens. Le voyage ou pas le voyage, tu as la valeur aux yeux de Dieu. Viagem comum não tem valor aos olhos de Deus. Ele é sempre rápido. Um exemplo rápido. Nós estamos na Turquia. Não que estamos aqui na Turquia. E que ta pensée à toi c'est de traverser. Teu pensamento é de atravessar. Mais regarde pasteur David ce qu'il est en train de faire. Oh le pasteur David qui t'a passé. La Turquie peut être dure. La Turquie peut être dure. Ça sera dur pour d'autres personnes. Va ser dura pour d'autres personnes. Ça sera jamais dur pour quelqu'un qui a la promesse de Dieu sur lui. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un qui est accompagné par Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui a une destinée. Quelqu'un qui a été restauré. Ça ne sera jamais dur pour cette personne. Ça sera jamais compliqué pour cette personne. Parce qu'il existe toujours un Isaac. Porque existe um Isaac. A quem Deus demanda de semer no deserto. E se Deus te de semer no deserto, Ele pode charger o deserto. Lá onde os gens fuem, tu restes lá. E tu és venu lá. Lá onde os gens esquivam, tu restes lá. E tu és témoignage. Você vai ter testemunho. O marido vai te dizer que o marido vai te bongicier. O marido não precisa se casar e casar, você vai casar. Moi, si o marido vai te dizer que o marido vai te bongicier. A mulher que é feia, você vai casar se casar. C'est ça, une personne restaurée. Lorsqu'il est contaminé à côté de toi, il te contamine la restauration. Lorsqu'il te pousse, tu es restauré. Lorsqu'il marche avec toi, tu es restauré. Quand tu casa, tu es restauré. Quand tu vas andar consigo, tu es restauré. La Bible dit que lorsque toi, l'homme, tu sèmes le grain, quand tu sèmes le grain, c'est grain la mer. Et ce grain mort. Mais Dieu fait sortir de ce qui est mort. Dieu fait sortir de ce qui est mort. Et une autre plante différente de ce que tu as sémé. Autre plante différente de ce que tu as sémé. Dieu fait sortir quelque chose ou d'autre à ce que tu as sémé. Dieu fait sortir une chose autre à ce que tu as sémé. Mon vie a passé nos vivants. Et sa vie a des souffrances que tu as vécues. Sans problème, c'est soit moi comme ça pour qu'il calme. Sans problème, c'est soit ce qui est comme ça pour qu'il calme. À travers ta vie, Dieu va sortir notre histoire. À travers ta vie, Dieu va changer les choses. Coisa, através da sua vida. Pensa na sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Filho, você tem um papel duplicado. A sua vida se senta como um papel. Na mão com a grande destinatária. Na mão do. A comissão, você tem que reabilitar. Vai fazer um grande destino. C'est ça le ministère de la restauration. C'est que tu vois aujourd'hui, ça peut ne pas être la même chose que tu verras demain. Parce que Dieu aura restauré. Pode não ser a mesma coisa aqui, você será mais, porque Deus vai restaurar. Lorsque Dieu restaure. Quando Deus te restaura. C'est une autre chose qui sort. C'est une autre chose qui sort. Après la restauration, depois da restauração. Après la restauration, on est différent. A pessoa fica diferente depois da restauração. Ça veut dire insensé. A pessoa fala todas as pessoas. C'est concept, c'est pas la même chose qui sort. Quando você semeia, não é a mesma coisa que sai. Je n'ai jamais vu un homme. Nunca vi homem que passe près de la croix et restait le même. Passa perto da cruz e fica o mesmo. Quelqu'un ne peut pas être en Jésus rester pauvre. Quelqu'un ne peut pas être en Jésus rester malade. Quelqu'un ne peut pas être en Jésus rester misérable. Quelqu'un ne peut pas être en Jésus rester maudit. Quelqu'un ne peut pas être en Jésus avoir la même histoire toute sa vie. Quelque chose arrive toujours. Quelque chose change toujours. A pessoa que tem Jesus, a sua vida sempre muda, não pode permanecer a mesma. On est semé différent. Você foi semear diferentemente. Et on sort différent. E sai diferente. Parce qu'il y a un Dieu de restauration. Porque há Deus da restauração. Il va à l'intérieur de la pourriture. Vai lá onde há onde a sua cabine ou com a tua boa que sai. A sua cabine bata, a fa bata. A comissão para o grande predicateur. A sua cabine está estourando pamba pamba. A comissão está estourando o nene. C'est le Dieu de la restauration. Il pense que moi c'est important. Il pense qu'il n'a pas de valeur. Et il a valeur.
Ele pega as coisas que são menos valorosas e dá valores. Que o mundo enterra. Que o mundo sepulta. J'aime quand le monde m'enterre. Eu gosto quando o mundo me enterra. Parce que dans la terre, je vais rencontrer le Dieu qui restaure. Na terra, vou encontrar Deus que vai me restaurar. J'aime quand le monde m'enterre. Gosto quando o mundo me enterra. Parce que pendant que le monde m'enterre, il fait ma mort. Quando me enterra, ele quer minha morte. Celui qui est mort a cessé de vivre. Quem morreu, não. Celui qui est mort a cessé de respirer. Quem morreu, não respira. J'aime quand les gens croient que je suis fini. Eu gosto quando as pessoas acham que eu sou fini. N'arrivera pas quand ils s'en assilient. Parce que ce qui est nassili, Zababimi, ça reste à Sika. Zababimi, ça reste à Comodité. Il doit croire quitter. Nassé, Pélagalo, Ménana, Sina. Amen. Eu gosto quando a sua pensa que já acabou, que Deus vai ser uma nova história. Lorsque le monde dit que c'est fini. Quando o mundo fala que acabou, le miracle. O milagre. C'est lorsque Dieu accomplit des choses étonnantes. É quando Deus vai fazer as coisas que admira o mundo, admiráveis. Des choses admirables. Coisas admiráveis. Et Dieu ne peut pas accomplir des choses inadmirables. Deus não pode completar coisas admiráveis. Si l'homme peut encore faire quelque chose. Se o homem pode ainda fazer alguma coisa. Dans toutes les villes où les hommes ont demandé abandon. Todas as vidas onde as pessoas pediram abandono. C'est là-bas que Dieu intervient. É ali que Deus interveio. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Não sei o que você está a atravessar. Peut-être que tu es rejeté. Talvez você foi rejeitado. Tu es enterré. Foste enterrado. On t'a oublié. Esqueceram. Tu n'as personne pour t'aider. Não tem ninguém para te ajudar. Le Seigneur se lève en ta faveur. O Senhor se levantou ao seu favor. Il est en train de restaurer toutes les choses. Il est en train de restaurer toutes les choses. Il est en train de restaurer toutes les choses. Il est en train de restaurer toutes les choses. Et ce que tu es maintenant, je te déclare, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas ce que tu vas vivre demain. Maintenant, c'est parce que tu vas raconter demain. Ta position de maintenant ne sera pas la position de demain. Lève-toi, mais je prie pour toi. Lève-toi pour que je prie pour toi. Ta position d'aujourd'hui ne sera pas la position de demain. Ton échec d'aujourd'hui, tu vas bientôt l'oublier. Tes difficultés d'aujourd'hui, tu vas bientôt les oublier. Voici ma prière pour toi. J'ai prié pour toi, bien-aimé. Voilà pour toi, amado. Je suis venu dire à quelqu'un. La restauration de Dieu. La restauration de Dieu. Ne choisis pas le visage. La restauration de Dieu n'a pas de parti pris. La restauration de Dieu ne regarde pas le village. La restauration de Dieu ne regarde pas le diplôme. La restauration de Dieu ne regarde pas Dieu derrière. Dieu va te restaurer. Lève ta main droite et prie pour toi. Coloca sa main direite en cima. Oh mon Dieu. Oh Deus. Il est là parmi nous. Ele está lá no nosso meio. Où est ta main? Onde está sua mão direita? Où est ta main? Onde está sua mão direita? Où est ta main? Onde está sua mão direita? Ta main droite, bien aimé. A tua mão direita, amado, amada. Alléluia. Alléluia. Ça change cette situation. Tá mudando essa situação. Sa présence et sa puissance est là. A sua presença, a sua poder está aqui. Natina que eu sabe que eu estou representando o tambor. O teu dinheiro, eu estou com o dinheiro. C'est parce que je savais que Dieu va le faire pour toi. Eu sabia que Deus ia restaurar esse tempo. Je savais que Dieu va le faire pour toi. Deus vai fazer para ti. Oh yes. Oh sim. Ton histoire aujourd'hui ne sera pas celle de demain. A tua história de hoje não será a história de amanhã. Ton histoire aujourd'hui ne sera pas celle de demain. A tua história de hoje não será a história de amanhã. Peut-être que tu es rejeté, tu es méprisé, tu es insulté, tu n'as plus de la valeur. Mais le Seigneur t'a restauré. O Senhor te restaurou. Ta main. A tua mão está ali. Seigneur, je suis prêt. Diga, Senhor, estou pronto ou pronta. Pour vivre ta restauration. Para viver a sua restauração. Je suis prêt pour vivre ta restauration. Estou pronta para viver a sua restauração. Je veux vivre ta restauration. Quero viver a sua restauração. Dans mon histoire et dans ma vie. Na minha vida. Commence à prier au nom de Jésus. Comece a orar em nome de Jesus. Quero viver a restauração de Deus na sua vida. Seigneur, je veux. Eu quero. Diga, Senhor, quero.